va pouvoir commencer. En continuant, normal, j'ai un peu avancé depuis hier. J'ai dû récupérer 2 ou 3 upgrades, mais je suis toujours dans la même zone. Il me reste un métroïde à tuer. En termes de gun, on s'est arrêté à ça. Je crois le grand saut, je sais plus si je l'ai récupéré hier. Je viens de récupérer le saut en boule. Qui est donc l'outil qui me manquait. Pour accéder au dernier métroïde. Parce que là, je peux pas passer parce que je glisse. Si je pose les bombes pour sauter, elles font ça. Donc c'est vraiment pour te dire, il faut que tu aies le saut en boule. Ah, il va falloir passer par en dessous, je suppose. Ah non. Au-dessus. Voilà. Le dernier métroïde, c'est fait. Maintenant, il faut retourner tout là-bas. Sauvegarde. Le téléporteur en bas est probablement le plus proche. Je crois que c'est le thème de Norfair, ça. Pas évident d'user. Non, ça va. C'est un coup à prendre, quoi. C'est tu vises au joystick. D'ailleurs, je suis étonné, le programme de stream de la 3DS, enfin le programme de stream, l'émulateur 3DS il est super stable. Là ça ralentit un petit peu par moment, genre pendant les temps de chargement, etc. parce que je suis en train de streamer, mais sinon j'ai aucun lag quand je joue tout seul. C'est ouf.
Laisse-moi juste vérifier où est le. Bon, toi, tu vas pas voir, mais j'aimerais juste voir où est le machin où je suis censé aller. Est-ce que par hasard je me serais complètement gouré de téléporteur? J'en ai bien l'impression. Ouais, c'est ça, je me suis couru de téléporteur, c'est celui-ci où je voulais aller. Un truc que je trouve un peu dommage, c'est que tu peux pas switcher de mode de rayon avec genre les gâchettes. Chaque fois, t'es obligé de passer par écran tactile. Alors, il y a peut-être un moyen, mais j'ai pas trouvé. Parce que du coup, R2, enfin, ZL et ZR ne servent pas à grand-chose, en tout cas pour l'instant. Peut-être que ça permettra de changer de mode de missile. C'est pas grave d'avoir du mal à viser parce que comme t'as plein de missiles. Le dernier morceau. Je n'y ai pas accès. Ce qu'il faudrait que je puisse détruire ces cristaux bleus, mais je n'ai pas encore de quoi le faire. Ah. Ah, ça par contre, je dois pouvoir le faire. Bon, c'est juste une réserve de missiles, mais bon, toujours ça. Voilà, peut-être en chargement, du coup ça rame un peu. Bon. Donc, zone 3. Petit coup de scan. Falloir un petit des ADN de Metroid, d'accord. Ça va sans doute être pour le grappin. Mais je sais que je peux pas le faire.
Qu'est-ce que c'est? Ah, pardon, j'ai oublié de remettre le l'écran. Hop. C'est quoi ce truc au fond? Un robot chozo? Ou un gros insecte? Non, ça a l'air d'être des insectes. Ah, il y a un truc là-haut. Voyons voir. Non, ce truc est complètement insensible. Alors, nouveau pouvoir. Le Beam Burst, ok. Augmente votre rayon pour augmenter la puissance d'attaque. Augmenter des tirs rapides. Donc ça utilise l'énergie éon. Ok, en gros c'est le super. Est-ce que ça permet de détruire ce machin-là? Ah, ça permet de détruire les machines Chozo. Ça, je peux toujours pas le ça, je peux toujours pas le détruire par contre. Ça. Ok, ça, c'est des machins qu'il faut que je détruise. Sauf que tu peux rien me faire, machine à con. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a dans le coin. Une recharge d'armes. Ça ne vaut absolument pas le coup d'y aller pour l'instant, j'ai pratiquement tous mes missiles.
droite. Laissons notre récupérer une upgrade là. Sans doute le grappin. Ouais. Le rayon grappin. Hein, s'attache au point bleu. Cliquez sur son icône et appuyez sur Y pour le toucher. Matière. Maintiendra la connexion et vous permettra de faire plusieurs actions. On peut utiliser le mode visée libre. Je me demande si ça fait des dégâts. Ok, c'est comme ça qu'on peut détruire des trucs. Ah, et ça fait des dégâts. Question, est-ce que je peux activer ça? D'accord, ça il est pas compatible. D'accord, si je contre avec le... Voilà. Bon, je suis mort, c'est pas grave. Donc si je contre avec le grappin, je ne peux pas one-shot les ennemis derrière. Son utilité au combat est plus que limitée, on va dire. Merde. Attends, je me rends là. Ah, il y a une visée automatique. Non. Non, elle est juste assez généreuse, c'est tout. Chargé en vie. Ah, il active automatiquement le grappin quand je vise le truc. Ça, c'est bien.
D'accord. Il faut que j'active le grappin manuellement. Allez, petit point de sauvegarde. On est full. Un autre ascenseur. Bon, c'est sur la route, hein. Un téléporteur, on va l'activer. L'habitude de maintenir appuyé. On a un métroïde qui nous attend, donc ça veut dire on passe sur de la glace. D'accord, je n'avais pas vu le.
Mettre Windows être par là. Ah, ça est juste ici. Complètement raté. Sont pas évidents ceux-là. Heureusement, le jeu est assez généreux. Finalement, je reprends, voilà, je reprends juste là. Défoncer. Faut que je reprenne le rythme, celui-là, j'en ai affronté qu'un seul comme cela avant. Suppose que maintenant ils vont devenir la norme. On prend le rayon laser de glace. Ah d'accord. D'accord, il se barre comme ça. C'est genre très chiant. Oh, mais c'est pas vrai.
Donc je peux pas partir, donc c'est tout, toujours là. Ainsi, Twitch, je vais faire pareil, moi je me heal. Il me donne que de la vie. On va essayer d'avoir au moins 2 barres de vie pleines. Encore un ou deux. Enculé, il y a une autre pièce où se planquer. Ils sont chiants à se planquer ceux-là. Faut tout recommencer, putain. Parce que si je le tue assez vite, il se planque pas. On dirait que le feu qui se barre la première fois, ça c'est scripté. Faut que j'arrête de ramasser des réserves de missiles, j'en ai trop.
Que celui-là est 100% risque, 100% scripté apparemment. Donne-moi de la vie. Voilà, putain. Il aurait été bien chiant. Ah, faut escrow attaque. On va bien voir où est-ce qu'on en est. Là, je peux passer en mode morphball en cliquant sur l'écran. C'est intéressant. Putain, l'écran de la zone 1. Ouais, il y a plein d'objets à récupérer. J'ai pas d'autre point de téléportation, je crois. Pas de point de téléportation. Je peux essayer de remonter et de récupérer des objets. Toute façon, j'ai pas de téléporteur à prendre. Du coup, ouais, on va juste essayer de remonter.
Ouais, ça, je sais pas ce que c'est non plus. Alors ça peut être la seconde attaque, c'est soit la super vitesse, soit les bombes de puissance. Je l'ai touché. Ça, c'est safe. On avait dit qu'en bas il y avait quoi? Juste un truc pour recharger la puissance, donc en fait je ne peux que rebrousser chemin. Me fait chier ce machin. Crève. Ok, ça c'est juste un autre téléporteur. Qui ne mène à rien.
Dans ce cas, téléportation. Normalement, on va s'arrêter là-dessus, mais c'est dans cette zone. Il y a une statue qui est juste à côté d'un poste de recharge de vie. Je vais aller chercher ça, puis je vais aller jusqu'à un téléporteur, on va s'arrêter là. J'ai été pris entre deux feux. On va voir où je reprends. Ok, ça va. Maintenant, il faut que je trouve un point de téléportation. Il doit y en avoir un près d'un autre téléporteur. Alors, oui, utiliser la téléportation. Va quand même essayer de revenir là et d'aller à un téléporteur que dans cette zone. J'ai oublié ce truc. Rêve. Je suis loin d'être un speedrunner. Genre, ils peuvent tomber vers le haut. D'accord.
réfléchis, je me dis on est à côté d'un. À côté de ça, autant descendre, on verra bien ce qu'il y a en dessous. Je suis mort. On va s'arrêter là. Continuer? Non. Oui, c'est pas grave. De toute façon, je jouerai sur mon temps à moi après. Bon, voilà, ça aura fait un petit stream sympatoche. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Calam.